Les courants sont comme les vents. Ils nous sont parfois favorables, mais ils peuvent être changeants, au point d'en être insupportables. Quand la bête immonde se relève encore, nos champs et nos luttes semblent bien pâles. Quand un peu partout on compte les morts, elle est passée à l'ordre international. Avec le web, le téléphone et l'avion, le libre-échange, la mondialisation. Oh.
Bravo. Jean-Philippe se jette sur une hôtesse. Récis-moi. Ah,
Il lui balance tout son stress. Ma femme est en train d'accoucher. La maternité, s'il vous plaît. Monsieur, tenez-vous informé. Quoi? Ce service n'est plus assuré. Oh, obligé d'aller à Clermont. Qu'est-ce qu'on fait avec la cafetière? On a appelé ta mère. La course folle continue. Magali, tu n'en peux plus. Je perds les os. C'est la panique, la situation est critique. Il ne manque que ce tracteur qui roule devant à deux à l'heure. Bonjour. À la montagne, ce n'est pas une partie de campagne. Ah, ah, ce train va falloir une heure pour arriver jusqu'à Clermont. Jean-Pierre veut doubler le tracteur. C'est con, en face, il y a un camion. Il se rabat sur le ravin. Et puis l'esquive, enfin. Magali tire dans les dents. Un peu plus sec que l'accident. Double le tracteur. Dans le rétro, un gyrophare annonce un duo de mental. Aujourd'hui, vivre à la montagne, ce n'est pas une partie de campagne. Mais Jean-Pi ne veut pas s'arrêter, la course poursuite a commencé. Le plus fréquent de la sirène qui les rattrape à grand père. Hé, chemin, la quatrième, qui pense au milieu des ruelles. Quand Jean-Pi ouvre la portière, les flics le braquent. Les mains en l'air. Soudain, de la banquette arrière, jaillit un hurlement d'enfer. Derrière les barreaux, dans sa cellule au garde à vue, se dit quelle tête à mon marmot. Avec tout ça, je l'ai pas vu. C'est une fille. Pour garder la maternité, la pétition, je l'ai signé. Il y en a qui avaient manifesté. Je pensais que c'était réglé. Si tout est aussi compliqué, de la crèche jusqu'au lycée, sans même parler de l'accès à l'université. Il va falloir se réveiller et faire plus que protester, voire même plus qu'aller voter. Il va falloir se réveiller et faire plus que protester. Aujourd'hui, vivre à la montagne, ce n'est pas une partie de campagne. Bravo. Avant, ma mère, elle faisait de la poésie sans le savoir. C'est dommage, elle n'a pas déposé ses textes, je serais le droit d'auteur. Et elle disait toujours, puisqu'on est en période électorale, ça me fait plaisir de raconter ça. Toujours, moi je vote le plus rouge possible, ça aura bien le temps de rosir. Sans te bouger, c'est pour la vie.
que l'histoire populaire triomphe. Vous imaginez, nous, on n'est pas contre, on est plutôt pour. Comme ça, d'accord. Ça ne se passera pas sans son descendant. Autrement, tout sera empêché dès le départ. Alors, si vous ne pas de côté, on est bien d'accord. Et tout le monde l'a compris, je crois, déjà à un bon moment. Drapeau rouge, le drapeau de l'international. Voilà, juste expliquer, on a eu la chance de pouvoir partir jouer en Corée du Sud. Et on a appris les bases de la langue. Mais les bases de la langue dans un pays où c'est une espèce de Trump fascisant qui vient d'être élu, c'est pas bonjour, au revoir, d'autant qu'avec le voisin du Nord, ça se passe pas forcément très bien. Les bases de la langue là-bas, c'est plutôt « Abba la guerre, vive la révolution ». Donc je vais vous apprendre comment dire ça quand vous débarquerez en Corée du Sud, parce que bien sûr, peut-être qu'un jour vous y arriverez. Donc, premier cours de coréen, Abba la guerre, vive la révolution, se dit John Sack Monday, Fok Myung Mam Se. Bravo!
du Congo, du Mali, du Tchad, du Népal, pour le peuple iranien, le peuple irakien, afghan, syrien, libyen, égyptien, tunisien, le peuple du Yémen, pour la lutte héroïque des femmes et du peuple kurde, pour le peuple palestinien et les anticolonialistes israéliens, pour les antifascistes russes et ukrainiens. Bravo.